من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة. ندعو الحضور الكريم لتأدية نشيد وطني. Des éducateurs et des hommes de lettres, c'est ainsi qu'on peut susciter et soutenir l'intérêt des élèves pour les matières scolaires et construire en classe un climat favorable à l'apprentissage. La culture, quant à elle, est l'indicateur par excellence de la qualité de vie, du dynamisme et de la santé sociale. Elle donne un sentiment d'appartenance et de croissance cognitive, elle permet l'empathie et l'interaction avec autrui. Daniel Pajot a bien raison de dire que les activités parascolaires, en contribuant à faire de l'école un milieu stimulant où il est agréable de se rendre et de vivre, sont certainement des ingrédients qui favorisent la réussite éducative des jeunes. Et pour que cela se réalise, il faut de bonnes intentions, de bonnes actions et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour afin de minimiser les dégâts. D'après mes 31 ans d'expérience au service de l'éducation nationale, je peux affirmer que jamais j'ai considéré mon travail comme un vecteur d'argent, mais je l'ai toujours vu comme un accomplissement personnel, comme un accomplissement personnel. Il est toujours ma raison principale pour laquelle je me lève chaque matin. Et j'ai toujours eu l'envie d'apporter 4 heures de bonheur à mes élèves. Chaque matin, j'ai 4 heures de cours, et chaque matin, j'ai envie d'apporter à mes élèves 4 heures de bonheur et de bien-être quotidien. On ne sait pas vraiment ce que certains de nos élèves vivent hors classe, c'est-à-dire ce qu'ils vivent à la maison. Et malheureusement, il y a beaucoup plus d'enfants en détresse qu'on ne le pense. Alors, au moins, qu'ils se sentent qui se sentent dans un climat de confiance au sein de la classe. Car quand on se sent bien, on apprend mieux. J'aime profondément mes élèves, au point que parfois c'est très difficile de ne pas gagner leur amour. Mon travail m'a toujours passionnée. Je passais mon temps à chercher de nouvelles idées, à essayer de m'améliorer parce que je pense qu'on a toujours une part de responsabilité dans l'échec scolaire d'un élève. Je me suis toujours remise en question. C'est-à-dire que mon travail ne se limite pas dans la classe, mais il dépasse les murs de la classe. J'en parle beaucoup à la maison, un peu peut-être trop. Mes enfants, ils connaissent mes élèves sans les avoir jamais vus. Il m'arrive même de me lever en pleine nuit, d'allumer mon ordinateur parce que j'ai une idée géniale qui pourrait sortir mes apprenants de la monotonie de la classe et leur donner goût pour apprendre, dont ils ont besoin pour réussir leur insertion dans la société. Or, si on regarde ce qui se passe souvent, non en théorie mais en pratique, on constate que la majorité de nos élèves passent ce temps avec les professeurs en compagnie affective de leurs parents. Messieurs, mes chers collègues, mes chers invités, mes chers élèves, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour moi. Votre présence m'honore et me donne confiance en l'avenir de l'école marocaine. Après 31 ans au sein du ministère de l'Éducation nationale, 31 ans au service de magnifiques élèves, avec lesquels j'étais en permanente interaction dans ou hors les murs de la classe,
suite de mettre les voiles vers une mer au rythme différent. Alors je pars, alhamdoulilah, en retraite avec le cœur plein de joie, une joie intéressante qui donnera élan et force à mon âme. Mais avant de partir, j'ai opté de vous faire part de mon expérience professionnelle en partant de la citation de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Eh bien, pourquoi cette citation? Tout simplement parce que je suis convaincue que sans une bonne éducation, on ne peut avoir une génération capable d'aller en avant vers un monde durable. Et sans une bonne éducation, on ne peut construire un bon citoyen sain, équilibré, bien éduqué et instruit. Et pour ce fait, je trouve qu'on a besoin non seulement d'enseignants conscients de leurs valeurs, mais également de parents d'élèves responsables avec une volonté d'élever leurs enfants. Et là, quand je parle d'élever leurs enfants, élever leurs enfants au sens de les élever, d'élever l'esprit de leurs enfants. Car l'école ne peut être guère un îlot, isolé. Et d'ailleurs, Sa Majesté le Roi l'a bien souligné dans son discours à la nation à l'occasion du 61e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2014. Il a dit « L'élément humain reste la vraie richesse du Maroc et l'une des composantes essentielles de son capital immatériel. » Je suis venue à l'enseignement en 1988 et je pars en 2019, mais j'avoue que ni les élèves, ni les parents, ni l'administration durant cette séquence de ma vie se ressemblent. Avant les années 2000, la classe était agréable et enseigner était un plaisir. En plus, le professeur était valorisé et respecté par ses élèves et aussi par leurs parents. Maintenant, les parents laissent leurs enfants à leur guise et viennent après contester leurs notes, voire même parfois insulter les enseignants, oubliant que le professeur n'est pas une fée et qu'il n'a pas une baguette magique. On lui donne un mauvais produit et il doit donner un meilleur résultat. On constate alors que l'éducation est devenue désormais à la seule charge de l'école, une école souvent dépassée, impuissante face à une génération, si j'ose dire, difficile. Nous sommes tous conscients que l'éducation depuis la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge adulte est un mélange de facteurs d'influence. Deux institutions cependant jouent un rôle primordial et ont des responsabilités éducatives formelles devant la loi et la société et qui sont bien sûr la famille et l'école. Alors les parents sont les premiers et les plus importants éducateurs de l'enfant. Ce sont eux qui doivent mettre en place les bases intellectuelles et émotionnelles de sa vie dans la société et développer les attitudes et les valeurs appropriées pour que l'école puisse jouer son rôle. Ce sont encore les parents qui ont l'obligation d'y assurer la présence et la participation active de l'enfant. Ainsi, les parents doivent éduquer leurs enfants alors que l'État doit les former en bons professionnels et citoyens. Et je rappelle là une citation de Victor Hugo dans laquelle il dit « L'éducation, c'est la famille qui la donne, mais l'instruction, c'est l'État qui la doit. » Cependant, les changements profonds dans la société moderne ont énormément affecté ces dernières décennies la structure familiale traditionnelle et sont aussi en train de bouleverser le système éducatif. Il est certain qu'à présent, ni la famille ni l'école sont à elles seules capables de... Parce que derrière tout cela, il y a tout l'historique de l'éducation. Et avant de faire cet historique, je tiens à vous lire une petite stance que j'ai faite pour Madame Slimti. À Madame Slimti, c'est avec plaisir et aisance que je dédie cette stance à une enseignante qui avance sur la scène et énonce avec élégance information et connaissance à nos princes novices, si acquis à cette source dans toutes ses nuances.
Ces futurs héros enrichissent, amorcent et exaucent nos plus profondes romances sur la vie dans toutes ses bienséances. Rêve réalisé sans malice, moult et louable effort propice. Voilà. L'autre aspect qui est beaucoup plus revêche, c'est de parler de l'éducation. L'éducation est un paradoxe gigantesque. Nous avons les enfants d'aujourd'hui, on leur amène la personne d'hier avec les connaissances d'hier pour les préparer à l'avenir. C'est la contradiction la plus totale. D'autant plus que les révolutions qui se font après l'industriel, l'informationnel, la tâche devient de plus en plus complexe. Néanmoins, il faut rester optimiste et regarder les choses avec beaucoup de pondération et beaucoup de reconnaissance. Du temps du protectorat, et je commence un petit peu l'historique là-dessus, l'objectif c'était de former, l'éducation n'avait que certains objectifs très succincts, à savoir former des cadres moyens pour aider l'administration coloniale à gérer le quotidien. Ce qui fait que dans tout le Maroc, il y avait quelques collèges. Le collège Moulédris, ce n'était pas un lycée, le collège Tarek, qui avait une fonction déterminée, le collège Youssef, et bien sûr le Taraouine et l'enseignement originel. Au jour de notre indépendance, le nombre des bacheliers était limité à des centaines. Le préscolaire n'existait pas pour le public, il n'existait que pour une élite, qu'elle soit musulmane, européenne ou juive. Le reste ne connaissait pas cet enseignement, ou du moins, il y avait à côté l'enseignement traditionnel qui était le MSI, avec ses méthodes pédagogiques, avec ses objectifs bien déterminés. Ceci était fait à bon escient, et l'administration de l'IOT et celles qui l'ont suivi ont toujours œuvré pour que le maintien se fasse dans ce sens-là et que pour que les Marocains restent un petit peu dans cette frange de population à déterminer et à faire mouvoir dans le sens voulu par la puissance protectrice, et non pas coloniale, parce que le Maroc était un protectorat. Néanmoins, l'enseignant avait une place très importante à l'école. Le peu d'école qu'il y avait, l'enseignant était la deuxième personnalité d'un patelin. Après le caïd, il y avait l'enseignant. Ceci, je vous le dis pour vous dire plus tard ce que va devenir cet enseignant. Donc, on a maintenu les enseignants, le peu qu'il y en avait, dans une situation relativement stable, mais c'était relativement une élite. Est arrivée l'indépendance. Avec l'indépendance, les choses ont complètement changé. Et il fallait organiser l'enseignement, et il y a eu le fameux colloque de la Marmore, qui a déterminé les quatre principes fondamentaux de l'enseignement, à savoir l'unification, l'arabisation, la marocanisation, l'arabisation et la généralisation. Alors, l'unification, c'est que le Maroc, au temps du protectorat, comprenait plusieurs types d'enseignement. L'enseignement marocain traditionnel, moderne traditionnel, et l'enseignement des fils de notables, l'enseignement libre, comme on l'appelait au temps, c'est devenu plus tard autre chose, l'enseignement de l'Alliance israélite et l'enseignement pour les enfants du protectorat, l'enseignement européen. Donc il fallait que l'école marocaine soit une école unifiée. Et le Maroc a œuvré pour que cette école soit une seule école, l'école nationale publique, dans laquelle la majorité de nos cadres ont été formés. Le deuxième principe, c'était, comme je vous le disais, c'est le principe de la marocanisation. Et là, nous avons subi tous les déboires possible dans la formation des enseignants, à savoir qu'on a fait appel aux Égyptiens, on a fait appel
aux Polonais. On a fait appel, certains d'entre vous peut-être se souviennent de tout cela, des Bulgares, des civilistes français, etc., etc. Et mieux, il y avait un besoin gigantesque en enseignants d'arabe. On a fait appel aux Frilemsid pour les former à la rapide et pour en faire des enseignants d'arabe. Ceci, vous le devinez, a donné une situation d'enseignement assez dramatique. Alors, quand on arrive au troisième principe, à savoir l'arabisation, elle ne pouvait se faire que par des cadres qui seraient marocains. Or, il y en avait peu, d'où on a créé les NES, puis on a créé les CPR, puis les CFI, etc. Depuis les années 50, je pense, jusqu'au jour. Alors, voilà, je vous laisse avec M. Lamarani. La technique, c'est toujours un problème. Monsieur le directeur, monsieur le délégué, chers amis, mesdames, messieurs, je suis très honoré de faire votre connaissance d'une part et d'intervenir, ce qui est très délicat parce que c'est un aéropage de personnes de différents profils et il est très difficile de savoir qu'est-ce qui va les intéresser le plus. J'ai préparé un magnifique diaporama, mais je crois qu'il ne répond pas aux besoins de l'instant, à savoir, après ce cri émouvant de Madame Slati, il m'est très difficile d'aborder ce thème qui est l'éducation en prière et aujourd'hui avec beaucoup de sérénité. Ce qui fait, je ne vais pas faire appel à mon diaporama, je vais poser la problématique de l'enseignement. Tout le monde le critique, tout le monde est spécialiste là-dessus et tout le monde a un avis très éclairé là-dessus. Encore faut-il connaître un petit peu l'historique de l'éducation. Encore faut-il reconnaître ce qu'est l'éducation et ce qu'est ce secteur. L'émotion, je m'excuse. C'est plus fort que moi. C'est la meilleure. C'est difficile de partir. Voilà, c'est. Heureusement que je pars en bonne santé. Et... Bravo. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir encouragé, merci d'avoir assisté à cette cérémonie. Vraiment, ça me donne confiance beaucoup dans la génération future. Merci. Je m'en vais le cœur apaisé et fier de cette expérience, car la chance d'exercer le plus noble des métiers, d'avoir des collègues et des inspecteurs passionnés à l'écoute et profondément dévoués, qui ont eu chacun à leur manière son impact considérable sur mon développement. Sans eux, je ne serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance aussi d'avoir un oncle maternel merveilleux, l'écrivain poète Sirlani Mohamed, Allah yechfi parce qu'il est très malade. C'est grâce à ses conseils que j'ai opté pour le métier d'enseignante. Venez me chercher, je lui demanderai de m'en donner un rythme pour rester toujours ce passeur, pour aller encore lire et lire et être un passeur de savoir. L'arabe a pensé ce qu'on sait en continuant l'arabe à produire des polycopes, à dicter aux étudiants. On n'enseigne pas ce qu'on sait. On n'enseigne pas ce que l'on croit savoir. Parce que le savoir qu'on croit, ce qu'on croit savoir, il faut le négocier dans une interaction avec l'étudiant. On en sait ce qu'on est, et dans ce point de vue-là, je pense que Daniel, et je le remercie pour cette intervention, elle a montré comment on en sait ce qu'on est, ça veut dire le désir et le plaisir. Et voilà. Donc. Chercheur, Université Ibn Zohr, Daniel. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche? Non. Oui, voilà, donc bonjour. Très difficile d'intervenir après deux exposés qui ont plus ou moins chacun leur façon à exposer le rôle que doit avoir un enseignant. Donc, quand Madame Lemire m'a invité, on est en plein période d'examen, de rattrapage, si nous avons des jours de travail, mais
il fallait le faire, il fallait venir, et j'étais mitigé parce que moi-même j'ai une tradition de colloque international auquel on a donné le titre « Comment enseigner la langue et la littérature française aujourd'hui, à l'université et au lycée ?» et dans lequel il réunit beaucoup de chercheurs autour de cette question qui est, comment dire, un relais entre la pédagogie et la didactique. Et j'étais mitigé entre préparer une communication grosso modo plus ou moins scientifique ou bien improviser. J'ai décidé d'improviser parce que la cérémonie, elle se prête à cet exercice-là, qui n'est pas un exercice facile. Je peux commencer mon exposé? Je peux commencer par ce. Je citerai en filigrane quelques citations qui régimeraient mon propos. Jaurès, un auteur beaucoup plus proche de nous, Jaurès, que j'aimerais chanter pour exemple du Jaurès, un auteur socialiste, disait ceci. On n'en sait pas, et je reviendrai, on n'en sait pas ce qu'on sait. On n'en sait pas non plus ce qu'on croit savoir, on en sait ce que l'on est. Et je pense que quand tu as parlé de la Finlande et tout, moi-même j'étais enseignant pour le milieu de la Finlande, et on dit que la Finlande est le meilleur pays au monde de l'enseignement, ben, je peux vous dire qu'en classe, il y a 10 apprenants. Donnez-moi 10 apprenants et je vous ferai des génies. J'ai dit souvent à mes étudiants, l'enseignement baroque, c'est le meilleur au monde, ils rigolent, ils pensent que j'ai pété les plans si je le parlais ainsi, de manière triviale. Il y a cette question qui se pose de la quantité, en arabe on appelle Xibar. Et je reviendrai avec un texte de Montaigne. Donc d'abord, il m'appartient ici, elle a parlé du rôle éducatif. Elle a parlé, c'est pas mal ce qu'elle a dit, la musique, ça veut dire que le prof il a un rôle éducatif, il enseigne ce qu'il est, il enseigne le plaisir à jouer, ludique, à un passeur de connaissances. Donc, je tiens à lui rendre hommage parce qu'elle est un emblème du professeur amoureux de ses étudiants, de ses apprenants, du professeur qui est engagé dans son être à cette question. La question qui se pose et qu'on pose nous dans nos colloques, c'est qu'aujourd'hui, elle a cité Victor Hugo, c'est-à-dire qu'on demande peut-être trop à l'école. L'école n'a pas échoué. C'est une question positive, c'est une question de point de vue. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Il est toujours à moitié plein. C'est la vision qu'on a du monde. Et à Agadir, d'où je viens, il y a un constat fatidique, mais il peut être optimiste. On prend un quartier, et il est impensable que l'école, dans des quartiers, il y en a dans le quartier de Bas-Fonds, ou des quartiers où il y a des problèmes de délinquance, il est impossible que l'école puisse faire des corrections. Maintenant, nous avons des gens à l'université qui viennent de quartiers défavorables et qui arrivent à grimper, à saisir cet ascenseur social. Mais la position sociologique de l'apprenant est très importante et fait que on se demande aujourd'hui pourquoi beaucoup de nos ingénieurs, et j'en connais pas mal, sont très demandés en Europe, en Allemagne par exemple, beaucoup d'ingénieurs marocains, l'ENSA qui est une école publique marocaine, forme des ingénieurs qui sont très renommés et qui sont demandés sur le plan international. Pour la thématique de l'enseignement d'hier et aujourd'hui, donc moi je vais vers une autre trajectoire, plus proche pour vous avez fait un exposé historique. Moi, je dirais que le passé et le présent, je crois qu'il y a un proverbe arabe qui dit « Qadim al-Nissaj, Jadid al-Nissaj », quelque chose dans le genre, que je ne connais pas par cœur. Italo Calvino, un classique italien, disait « Les classiques nous apprennent ce qu'ils sont devenus. » Ils sont devenus, c'est-à-dire évaluer ce que nous sommes, on ne peut définir ce que nous sommes que dans la distance qui nous sépare de nos ancêtres, de nos aïeux. Et donc, si vous voulez, dans mon exposé, j'ai décidé de vous lire un texte très très important qui pose le problème aujourd'hui que connaît le Maroc et qui est le problème de la hydrologie, à la fois qu'on dit
Aujourd'hui, ça veut dire le plagiat. Tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, le plagiat à l'intérieur de l'université, troisième cycle de doctorat. Et nous vivons une situation catastrophique à l'université qui fait que ce qu'on appelle des gens qui trichent avec le titre, avec, et qui est l'enseignement. Et qui me fait lire ce texte de Montaigne, c'est-à-dire l'apprentissage par cœur. En 1572, Montaigne, un grand auteur humaniste, critiquait l'enseignement traditionnel qui est l'apprentissage par cœur. Quatre siècles après, nous connaissons, hein, la scolastique. Nous continuons à cette méthode, et donc je vais citer ce texte de Montaigne, le grand philosophe Montaigne, un chapitre intitulé l'éducation des enfants, sur lequel je finis mon exposé, et qui résume cette histoire que moi je résume dans mes cours. Je dis, on ne remplit pas un seau, on ne remplit pas un seau, on forme. On ne cesse de crier à nos oreilles d'enfants comme si l'on versait dans un entonnoir, et notre rôle, ce n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais que le précepteur corrigea ce point de la méthode usuelle et que d'entrer selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commença à la mettre sur la piste en lui faisant goûter les choses, les choisir et les discerner d'elle-même, en lui ouvrant quelquefois le chemin, quelquefois en lui faisant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple. الشهادة اللي غادي تكون حق الأستاذ يما غادي ارتجاء مرتجلة ما كانش هذا ما كانش مرتب له، لكن اللي ممكن نقول عليها أن واحد الإنسان مناضلة والتضحية هي من أبرز السمات ديالها، ما كانش كتركز غير على الجانب الأكاديمي ديال في التعليم، ولكن حتى المستوى التربوي والمستوى الاجتماعي الباسبوري كان عنده كان درجة أكبر عند الأستاذ، اللي هو اللي خلانا أننا اكتسبنا مجموعة من المهارات والمعارفنا في إطار نادي البيئة، اللي مازال أنا صراحة كنت غنجيبو معايا، ما عرفتش كيفاش نسيت البرج، مازال عندي البرج ديال نادي البيئة اللي كان أول بروموسيون في هذا النادي البيئة في 2001. بروموسيون ديالهم هي اللي 2002 هي اللي غسلت 86 شجرة الزيتون في الإعدادية، وهي اللي جات وهي اللي غسلت 111 شجرة عضوية، وهي اللي دارت بحيث كانت المؤسسة يعني قاحلة، دارت فيها جرة كبيرة اللي خدينا عليها جائزة، أنا شخصيا خدت عليها جائزة المربي الأخضر، وهما اللي يعني يوسف بالذات هو اللي كتب معايا الخطاب الملكي اللي في الحائط في المؤسسة، هو اللي كتب معايا الأرقام ديال الأقسام، هو اللي كتب معايا الأقوال والحكم اللي في المؤسسة، اللي مازال إلى الآن. الشعيبي رضوان. السلام عليكم. معكم رضوان الشعيبي، أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي، حاصل على شهادة الدكتوراه، باحث في قضايا التاريخ المعاصر عامة وتاريخ الطب المغرب خاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الكريم المزوكي، أستاذ مادة الرياضية الثانوي التأهيلي. حاليا متابع الدراسات في مستشفى سيدي الدكتوراه شعبة الإعلاميات والرياضيات، وبغيت نقول واحد الكلمة في حق الأستاذ الجميل الأستاذ سليم السلمسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذتي الغالية، لكل بداية نهاية، ولكن طوبى لمن كانت نهايته مشرفة. تنطلب التلاميذ ديالي القدامى اللي حاضرين معايا اليوم، يتفضلوا الله يخليكم، تفضلوا عندي هنايا، بغيت نقدمكم الحضور
ونطرح على أن المدرسة المغربية الحمد لله بخير وأننا يدفية وفضل الآباء يمكننا نصدر دائما نتيجة حسنة غادي تدير واحد البوان تقرأ واحد البوان تحت عنوان مخلصون بلا حدود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلمة شكر أريد كلمة حق أريد بها شكرا أستاذتي الكريمة أستاذي الكريم كنت دائما أنعتكما بأنكما رموز العطاء والجهاد في هذا الوطن الحبيب فارتجت الكلمات وانتقلت عبر المقامات لأرافقكما بتيجان وأوسمة بشعر المتواضع الذي سألقيه بعد قليل على مسامعكم والذي يحمل عنوان مخلصون بلا حدود فتحية إجلال وإكبار مني لما قدمتماه ولما تقدمانه من عطاء وخدمات جليلة من أجل تنشئة اجتماعية سليمة ومثمرة Pharmaceutique internationale surface.
Il n'est pas seulement un professeur, mais c'est un leader que je lui remercie beaucoup. هشام حصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة طنطا. Moi aussi j'étais ancien élève. Alors ancien élève pas de Madame Elias Lati, mais de Madame Slati, sa mère. Et c'est avec une très grande émotion aujourd'hui que je rends hommage à cette grande dame qui m'a vraiment marquée. Alors Madame Elias, vous aviez des points communs avec votre لاميا مشغل الاستاذ اللي كما قلت الاستاذه صحتكم ليكم لكن حنا انا ديال لاميا ما نهضروش على لاله فاطمه الله يطولها العمر ولكن لاميا حنا دون جينيراسيون كانت خلات واحد البصمه ديالها وما ننساش انا كنشكرها انا ما كانش عندي كونت فيسبوك رافضه هذه المساله ولكن من بعد درتو اول ما غندخل لمياء اللي كانت من الاولى pour donner mes chercher je lui demanderai de m'en donner un rythme pour rester toujours ce passeur pour aller encore lire et lire et être un pasteur